Je lui fais confiance, de toute façon je pense que c'est la seule personne à même de résoudre ce problème. Béatrice Gotail, mère d'un Français de 37 ans condamné en appel en mars 2017 à 4 ans de prison au Maroc pour avoir apporté un soutien financier à une personne soupçonnée d'avoir voulu perpétrer des actes terroristes, a été reçue par Emmanuel Macron au fort de Brégançon, Var, samedi 11 août, rapporte BFM TV. Son fils, Thomas Gotail, est emprisonné depuis 2 ans et demi après avoir été accusé d'avoir prêté environ 70 euros à un homme radicalisé, ce qu'il réfute. Une demande de transfèrement a été effectuée en février 2017, mais n'a toujours pas abouti. Macron a promis de s'occuper personnellement du cas du Français portant une pancarte. La mère de cet homme a patienté devant le lieu de vacances du chef de l'État et a pu échanger avec un responsable de la communication de l'Élysée, venu rencontrer les journalistes lors d'un point presse quotidien. Elle a ensuite pu rencontrer sans rendez-vous Emmanuel Macron en compagnie de son autre fils. Interrogée par des journalistes à l'issue de cet entretien, elle a indiqué que le président de la République lui avait assuré qu'il allait s'occuper personnellement de la situation de son fils,